Retour sur le plateau du Salon de l'immobilier de Marseille. Nous avons rendez-vous avec Yves Comon, le dirigeant de CTG Immobilier. Monsieur Comon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, j'ai souhaité vous inviter sur ce plateau parce que vous êtes dans ce secteur d'activité depuis une trentaine d'années. Vous dirigez CTG depuis 20 ans, je crois que vous depuis 20 ans, mai 95. Mai 95, donc vous avez une solide expérience du marché d'immobilier à Marseille. D'abord, un mot peut-être de votre société CTG. Vous êtes à quel endroit ? CTG se situe à la Pointe-Rouge. Mmh. Dans le quartier donc Pointe-Rouge de Vieille-Chapelle, nous nous occupons donc de la transaction, location et la gestion, administration de biens. Donc les beaux quartiers, on va dire. Les quartiers de sud-est, en effet. Sud-est, avec la mer pas loin. En face. Alors ce marché, on dit qu'il est en reprise. Tous ceux qui se sont succédés ici pendant ces deux jours nous l'ont dit. Comment vous, qui êtes professionnel, qui tous les jours scrutez ce marché, comment voyez-vous cette reprise ? Est-ce que c'est une vraie reprise ou est-ce que c'est juste un petit rebond ? Non, le marché s'est arrêté complètement pendant, on va dire, 3-4 ans. Et là, on sent depuis plusieurs mois, on va dire, pour nous, c'est plutôt début d'année ou fin d'année dernière, une reprise. On revend de nouveau des appartements. Et pourquoi ? Parce que les prix sont au plus bas, les taux sont très intéressants aujourd'hui, ils sont au plus bas aussi, ils vont aussi remonter. Et les gens prennent la décision maintenant d'acheter. Donc, alors, ça va remonter pour quelle raison ? Ben, ça ne va pas remonter tout de suite, il va falloir un petit peu attendre quelques mois encore. Actuellement, on a un stock d'appartements à la vente qui était plein, et là, on est en train de vider ce stock. Donc forcément, mécaniquement, les prix vont augmenter. Quand ce stock sera vide, donc d'ici quelques mois, forcément, les prix vont remonter. Alors, votre terrain de jeu à vous, c'est un peu la Pointe-Rouge, Vieille-Chapelle, vers les Goudes, David, le rond-point du Prado, Michelet, enfin, tous les quartiers sud, c'est 8e et puis enfin, surtout 8e. 8e, 9e, 10e, un petit peu le 7e aussi. Qu'est-ce qu'on trouve comme bien dans ces quartiers-là ? Beaucoup d'appartements ? Il y a surtout pas mal d'appartements et dans le secteur Pointe-Rouge, Vieille-Chapelle, de belles villas, des maisons et des maisons de pêcheurs aussi. Parce que c'est un vieux quartier. Oui, du côté des Goudes notamment. Des Goudes, oui. Les belles maisons de la Pointe-Rouge, elles se vendent à quel prix ? Il y a tous les prix, ça dépend du terrain, mais ça va d'une maison à la Pointe-Rouge, ça va de 400 000 euros à au-dessus du million. Et selon vous, et c'est très intéressant de vous avoir avec nous, est-ce qu'on peut trouver, parce que quand on vient à Marseille, on dit où est-ce qu'il faut habiter ? Alors, non, idéalement, c'est Auroux Casblanc, éventuellement en hauteur. Bon, mais ça, c'est très cher. Et on dit, effectivement, c'est un quartier bon, avec l'escale Borély, avec le parc Borély, etc., avec tous les aménagements qui ont été faits sur les plages. C'est plutôt la Vieille-Chapelle ou la Pointe-Rouge. On arrive à trouver des biens, ça bouge, on arrive à trouver des choses encore ? Oui, on trouve. Non, il y a une rotation normale, je dirais. Mmh. On trouve des biens. Alors, des fois, il y a quelques bonnes affaires quand il y a de vieilles maisons se vendent où il y a beaucoup de travaux. Donc, mais ça, c'est plutôt rare, mais ça existe. Non, il y a des rotations normales et on trouve des produits, mais il faut quand même mettre le prix. Parce que c'est très recherché. Parce que il y a beaucoup de concurrence et c'est très recherché. Donc on négocie pas. Un petit peu. Tout se négocie. Mais enfin, la marge est faible. Est faible, tout à fait. Alors, vous êtes dans les quartiers sud et puis on entend un peu partout parler du ce qu'on appelle le déplacement de centralité, c'est-à-dire aller habiter de l'autre côté de la Canebière, du côté, puisque si on veut être en bord de mer, à part habiter au port autonome, j'ai envie de dire, on voit bien que Euromed 2, là, on commence à construire. On construit à l'Estac, on construit même à Verduron, au Verduron. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce transfert-là de nouveaux Marseillais ou de Marseillais vers le nord ? Moi, je pense que c'est un quartier en devenir. Hein, ça bouge beaucoup actuellement dans le secteur. Il y a pas mal de constructions, de bureaux. Il y a une nouvelle clientèle. Et je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps pour que les Marseillais se rapproprient ce secteur qui est un secteur, pour moi, en devenir. Donc, ça veut dire qu'on peut investir ? Bien sûr, il faut investir. Habiter, ce sera peut-être un peu plus long ? Ce sera un petit peu plus long, mais c'est maintenant qu'il faut investir dans ce secteur-là, à mon sens. Un dernier mot sur le salon. Vous êtes ici exposant, bien évidemment. Oui. Y a du monde cet après-midi. C'est pas mal, oui, ça tourne pas mal. Surtout une très bonne clientèle. Par exemple ? Une clientèle qui vient pour acheter. Qui vient pour acheter. Y a moins de promeneurs qu'avant. C'est vraiment des gens qui sont intéressés. Très bien. Eh bien, Yves Comon, vous êtes donc le dirigeant de CTG. Merci d'être venu sur le plateau TV. Merci. Nous parler de votre expérience et de votre connaissance, surtout du marché de l'immobilier. On se retrouvera un peu plus tard sur ce même plateau. À plus tard.